Hello! Nous sommes mercredi. Je suis réveillée depuis un peu plus d'une demi-heure. J'ai un peu traîné dans mon lit sur TikTok, j'avoue. Je vais me faire un petit déj. Un petit bowl cake, of course. Bon, il fait encore pas beau, hein. Clairement, voilà, pas ouf. Pas ouf le temps. Il va faire beau un jour. Ça a pas l'air d'être parti pour faire très beau, hein, par ici. Du coup, j'ai pris une décision. Je vais tourner la première vidéo de 2021. Donc, eh bien écoutez, c'est parti. Voilà, ça sera une vidéo chit-chat make-up. De toute façon, elle aura déjà été publiée sur ma chaîne quand vous verrez ce vlog. Donc, n'hésitez pas à aller la voir parce que je vais parler de plein de choses. Bon, ça y est, j'ai tourné la vidéo. Du coup, là, je vais aller chercher mon dry. Je pense qu'il est 12h50. Mettre un peu de parfum. Ce parfum, je le kiffe. C'est un Zara, c'est le Feel That Nightfall. C'est un parfum, bref. Franchement, il sent si bon. J'adore. J'allais dire un truc, je sais plus quoi. Oui, je vais passer aussi du coup à Darty pour trouver le câble qu'il me faut pour mon four. Je pense qu'ils en ont, j'en ai vu sur le site. Donc j'espère. Parce que bon, s'ils vendent des fours avec pas la prise et qu'ils vendent pas la prise dans leur magasin, c'est un peu nul. Du coup voilà, je fais ça, le drive, et au drive j'ai pris genre des tortellini pour ce midi. Voilà, parce que je sais que je vais avoir la flemme et surtout que j'ai pas trop le temps. Voilà, petit tortellini au pesto. C'est tout ce que j'ai. Ah non, faut que j'aille chercher mon colis. Mais je suis trop bête, j'avais zappé alors qu'à la base c'est pour ça que je voulais sortir. Je suis trop bête, mais est-ce qu'il est ouvert le midi? Ça a l'air d'être ouvert le midi. Mon colis qu'ils ont mis hier en point relais alors que j'étais chez moi toute la journée, qu'ils ont même pas sonné, ni à mon interphone, ni chez moi, ni rien du tout. Aucun papier dans la boîte aux lettres. Et ils m'ont même pas appelé. Bref, ça me saoule. Surtout qu'en plus, c'est un truc que j'avais vraiment besoin parce qu'en fait, c'est un partenariat et je dois publier aujourd'hui. Donc j'aurais aimé avoir les produits un peu avant. Bon, c'est une marque que je connais, donc ça va. Mais si c'était une marque que je connaissais pas et que je dois faire le placement le jour même où je reçois, je trouve ça un peu naze. Mais là, c'est une marque que je connais très bien, donc ça va. N'importe quoi, c'est pas du tout ça que je voulais mettre. Ah oui, et je voulais descendre en même temps du coup le sapin dans le garage. Il se trouve ici. Des choses. Allez, go. Bon, j'ai récupéré mon drive. Là, je viens de passer à Darty. Il a plus les prises. Du coup, il m'a dit de passer en magasin de bricolage. Mais je vais pas y aller aujourd'hui parce que... Attends, il m'a dit à Casto ou Leroy Merlin. 6 km, ouais, j'ai mes courses dans le coffre donc bof. Et du coup là je vais chercher mon colis. Bon bah j'avais même deux colis. Il y en a un je savais pas. Tant mieux. Franchement, j'ai bien fait de venir. Bah, cette fois-ci on rentre à la maison. Hein. Je pense que je vais filmer une des stories que je dois filmer direct en rentrant, comme ça c'est fait. Toute la vie les colis, moi ils sont posés dans chez des fleuristes. Toujours, j'ai toujours envie d'acheter des fleurs, ça sent super bon. Et j'ai vu qu'elle avait des grosses pampas là. Et je sais pas si je vous ai montré, mais j'ai reçu un gros vase genre doré. Et je pense qu'il y a moyen que ça soit bien dedans. Je vais y réfléchir. On va commencer par un petit haul course rapidos. Et je commence par sur le truc qui vous congèle, des crevettes. Voilà. Ensuite j'ai tout posé là, comme ça c'est plus simple. On a des asperges. Des salsifis pour ceux qui aiment pas, moi j'adore. J'ai repris du curry, des pommes, Granny Smith la base, les bananes la base. J'ai pris de la sauce soja sucrée parce que j'ai de la sauce soja mais salée, mais j'aime pas trop. Je trouve ça, je sais pas, assez écœurant. J'ai repris de la levure de boulanger, de la levure chimique puisque
Idéalement, quand j'aurai mon four, j'aimerais faire des gâteaux et tout ça. Du concentré de tomate. Du bouillon de volaille, j'en avais pas. J'avais aucun bouillon chez moi, de bouillon cube là. J'ai repris des nouilles au poulet. Vous savez, les nouilles qui se cuisent en 3 minutes là. Hyper pratique, trop bon. Des farfales complètes. C'est rare qu'il y en ait des farfales complètes. C'est une de mes sortes de pâtes préférées. Donc j'en ai pris 3 paquets. Du sel parce que je n'en ai plus. Même si j'en utilise pas beaucoup, je pense que ça va me durer 2 ans ça. Ensuite j'ai repris plein de thé parce qu'en fait j'ai acheté une boîte à thé. Et genre vous avez 12 compartiments. Et puis parce que aussi j'adore le thé, j'aime bien varier un peu. Donc coco passion. Franchement je me demande ce que ça peut avoir comme goût coco. Framboise passion, du thé vert citron, ça c'est trop bon. Thé vert à la menthe, la base. Pêche mangue. Ensuite, bouillon cube mais aux légumes, des lardons. Fleur d'oranger pour faire une galette, j'aimerais en faire. Du beurre, des tortellini, donc c'est ça que je vais manger ce midi. J'ai repris du comté et des knackis végé. Et des patates douces que j'aimerais faire au four. Et du son d'avoine pour un petit déj parce que j'en avais plus. Voilà, c'était le petit haul course. Je vais mettre aux légumes. Je vais mettre au frigo tout ce qu'il y a au frigo. Mais pour l'instant, mon frigo, il ressemble encore à un frigo de nouvel an. Je vais vous montrer. C'est un peu... Voilà quoi, il n'y a plus trop de place et il y a beaucoup de bière. Mais je crois que je vais les enlever du frigo parce que ça prend de la place et... Enfin, toute seule, je m'ouvre rarement une petite bière, quoi. Bon, j'ai déjà tourné quelques stories. Enfin, quelques stories. Story pour une marque, enfin un site. Et j'avais oublié de vous montrer des trucs que j'avais acheté aussi. J'ai acheté ça, là, la branche de protection. La branche ? La bâche de protection pare-brise. Parce que ça arrivait déjà 2 fois là où, même à la fin d'une journée et une fois à la fin d'une nuit, où du coup mon pare-brise était gelé et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je sais même pas comment ça se met les gars. Franchement, j'en ai aucune idée. Et j'ai pris aussi 2 trucs pour faire le ménage. Alors j'ai pris un spray dégraissant cuisine, nettoyant en profondeur, menthe eucalyptus, la marque Univers. Je sais pas si c'est vraiment... genre si c'est un peu du greenwashing ou si c'est bien. Mais il y a les collabels et tout. Donc je me suis dit que c'était moins pire. Parce que, alors oui, j'utilise souvent genre le vinaigre blanc quand je fais mon frigo, les trucs comme ça. Mais pour nettoyer genre les plaques de cuisson et tout, je trouve que le vinaigre, genre ça nettoie pas bien. Du coup je me suis dit que c'était pas mal. Et j'ai pris aussi un spray nettoyant, désinfectant. Mais finalement, ça va rester dans ce placard parce qu'en fait j'ai plein de trucs. Je vous jure, j'adore les produits de ménage. J'adore presque autant les produits de ménage que les produits de cosmétiques. Donc s'il y a des marques naturelles qui passent par là, envoyez-moi des trucs, j'adore. Même si j'ai pas toujours le temps de faire le ménage, en vrai, j'aime bien, enfin, je sais pas, je trouve ça satisfaisant. Même regarder genre des vidéos de ménage et tout, de rangement, j'adore. Bon, du coup, j'ai fait chauffer de l'eau pour manger ça. Et... Donc à chaque fois que je fais une vidéo, je prépare genre le petit brief que je mets sur papier. Je vous le montre à l'envers, hein, c'est une feuille de brouillon. Du coup là je vais préparer le brief pour la vidéo de... Les stories de demain. Parce qu'il faut que je les envoie... Enfin, je sais pas s'il faut que je les envoie, elle m'a pas dit. Et je vais prendre une autre feuille aussi pour celle que je dois filmer cet après-midi. En vrai là j'ai des trucs tous les jours de la semaine. Alors il y a des fois il y a rien. Et à des fois on me propose 30 000 trucs le même jour et moi je dis aux marques genre bah non en fait. Je publie pas 2 placements le même jour, c'est pas possible. Alors il y a certaines filles de télé-réalité, elles t'en publient 5 le même jour, mais moi 2 le même jour c'est non quoi. Déjà là j'en ai quasiment, comme j'ai dit, tous les jours la semaine. Et je trouve que ça fait beaucoup mais ça tombe comme ça donc voilà quoi. Bon allez, j'ai refilmé des stories mais cette fois-ci stop la rigolade, c'est l'heure de manger. Donc mes tortellini sont cuits et je vais rajouter du comté râpé par dessus pour plus de gourmandise. Super encore, c'était bien fait de mettre. Les 40% restants me permettent de vivre et c'est... Allez, Emma la bêtise vient de faire tomber un pot en verre qui s'est bien sûr cassé. Il y a du verre partout par terre. On va éviter de se couper. Là là.
Et mal les bêtises. Bon, j'ai bien avancé dans mon filmage de story et tout ça. Il me restera un truc, mais je vais filmer après m'être douchée. Ah oui, c'est pour ça que j'ai changé de haut, parce qu'en fait, je voulais pas faire les stories avec tout le même haut. Je me suis fait un petit fit pour le goûter. Et là, j'aurais bien voulu monter la vidéo que j'ai filmée ce matin. Et je me fais couler un petit bain. Je vais faire un petit bain, j'ai un peu mal au ventre. Et du coup, ça va me faire du bien et ça va me détendre un peu. Et je vais tester du coup un truc pour les cheveux que j'ai reçu dans un des colis que je suis allée chercher tout à l'heure. Donc, voilà, je vais m'emmener tout ça. Et je pense que je vais me mettre bien sûr une petite bombe de bain. Bon, je suis en train de faire mon montage, mais je fais une petite pause dans mon montage pour mettre ma bombe de bain. Je vais couler l'eau tout doux pour que ça déborde pas, mais que mon bain soit chaud et prêt quand j'ai fini. Et je vais mettre le reste d'une bombe de bain. Bon, là vous avez que le corps, mais normalement c'était une petite tête d'elfe, mais il reste plus que le corps. Donc, Et cette bombe de bain s'appelle, est-ce que j'ai le nom, Elf Bomb Bomb, tout simplement. Je vais mettre couler l'eau à peine moins fort parce que je suis pas encore hyper avancée dans mon montage là. Puisque il me reste combien de minutes de montage? 10 minutes. 11 minutes. Enfin, 11 minutes de rush, pas 11 minutes de montage, pas dans 11 minutes j'ai pas fini quoi. C'est bon, j'ai monté ma vidéo, c'est en train de charger sur YouTube, je vais pouvoir aller prendre mon bain et fini le travail pour aujourd'hui. Bon, là ça fait un beau côté et là ce qui est pas remué, on dirait pas un peu genre, vous savez la vase là quand il y a au-dessus des étangs ou des... comme ça. Faut juste que je remue pour que ça fasse une belle couleur quoi. Trop beau, je vais aller dans mon petit bain. Bon, on se retrouve, je me suis séché les cheveux, tout ça, j'ai fait une petite photo pour Insta, un truc... Dans mon bain, j'avais dit ouais, j'arrête de travailler pour aujourd'hui. Au final, j'ai fait une photo, j'ai posté des stories et j'ai répondu à des mails. Je vais peut-être répondre à des mails tout à l'heure, il m'en reste genre 5-6. Mais là, surtout, le truc, c'est qu'il est 19h30 et que il s'agirait de penser à manger. Au début, je m'étais dit ouais, je vais me faire un truc grave cool ce soir et tout, mais en fait, il est déjà 19h30 donc peut-être s'y prendre un peu plus tôt, ma grande. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me faire à manger pour demain. Demain, je mangerai au self. Mais ça ne résout toujours pas mon problème de ce que je vais manger ce soir. J'ai des légumes qui sont en train de pourrir, enfin d'avoir un peu de mousse et tout. Ils sont encore bien, mais j'ai pas très faim en fait. C'est ça, mais ça va faire comme hier. J'ai pas très faim, puis après, à minuit, j'ai faim. Mais là, à minuit, ça sera rien du tout parce qu'à minuit, dodo. Bon bah du coup repas très simple, des knackis végé là, je fais cuire un petit oignon avec de l'huile d'olive et je vais rajouter des lentilles. Bon et bien la vidéo que j'ai montée tout à l'heure est chargée, je vais donc la mettre sur YouTube. En tout cas... Elle dure 12 minutes 49 alors que j'ai tourné quasi 20 minutes de rush. C'est vraiment qu'il y avait des moments inutiles. Bon. Tous mes soins sont faits, j'ai pris mes médicaments, tout est fait. Il est 21h30, j'étais en train de répondre aux DM sur Insta. Donc je pense que je vais mettre une petite vidéo sur mon ordi pour répondre aux DM. Demain je me lève vers 6h45, je crois que j'ai mis mon réveil. On verra à quelle heure je me lève. Mais en tout cas, demain, je commence à 8h. Donc, c'est grosse mat. Hein. Pas grasse mat de jour de repos, mais grasse mat par rapport à quand je commence à 6h45, quoi. Donc, voilà, je pense que je vais vous laisser pour ce petit vlog. Je vous fais de très gros bisous. Je pense que je vais vlogger ce week-end. Voilà. Du coup, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.